La Vierge Marie est toujours là. Elle nous attend. Elle nous accueille avec joie et elle nous invite à entrer dans sa propre histoire pour nous réjouir avec elle et pour nous aider à répondre au Seigneur comme elle-même a répondu. Marie nous apprend humblement à être disciples. Avec elle, nous avons accepté de nous laisser bouleverser, remuer profondément par le Seigneur. Avec elle, nous avons entendu le Seigneur nous dire, par son ange, que nous sommes comblés de grâce, que le Seigneur est avec nous, que son Esprit est en nous et que sa puissance nous est accordée. Quoi que Dieu puisse demander à Marie, quoi qu'il puisse nous demander, même si pour des raisons qui nous appartiennent, ce désir de Dieu dépasse notre compréhension, nos capacités, nos projets, notre désir. Tout est prêt pour que s'accomplisse en nous, comme s'est accompli en Marie, ce que Dieu veut réaliser pour aimer l'humanité de tous les lieux et de tous les temps, même si bien sûr ce que Marie a vécu est tout à fait unique et spécifique. Ce soir, je voudrais que nous nous arrêtions à ce qui peut sembler être un moment, la réponse finale de Marie. Que peut dire Marie quand elle sait que tout ce qui va se passer ne relève pas de ses propres possibilités? Elle peut dire non. Elle peut dire à l'ange, tu dis n'importe quoi. Elle peut s'éloigner. Mais ce n'est pas dans les habitudes de Marie. Elle a la foi en Dieu, foi dans son amour. Et la réponse, nous la connaissons par cœur. Nous l'entendons souvent dans la liturgie, chaque année, plusieurs fois par an. Je suis la servante du Seigneur. Et d'une certaine manière, c'est la seule issue possible, sauf à choisir la voie du refus et de la distance. Je suis la servante du Seigneur, et puisque moi je n'y peux pas grand-chose, que tout s'accomplisse comme tu me l'as dit. Grande disponibilité de Marie, qui ouvre en elle, dans sa vie, dans son cœur, dans son histoire, un chemin dont elle ne peut même pas savoir exactement par quelle route il le fera passer et quel but il atteindra, si ce n'est qu'elle est sûre qu'elle fera bien, que tout se passera de façon extraordinaire, puisqu'elle s'en remet à la volonté du Seigneur et qu'elle se fait servante. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'affirmation de Marie « Je suis la servante du Seigneur » n'est pas une affirmation originale, pardonnez-moi de dire cela à l'égard de la Vierge Marie. Si nous parcourons l'Ancien Testament, nous retrouvons de façon permanente cette référence au serviteur et à la servante. Permettez-moi de prendre simplement quelques exemples. Mais là, j'ai besoin de m'appuyer sur mon texte parce que je n'ai pas appris par cœur les citations. Abraham, le père dans la foi par excellence,
le Père dans la foi. Que nous est-il dit? Le Seigneur lui apparut, alors il n'apparaît pas à Abraham mais à son fils, le Seigneur lui apparut cette nuit-là et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham mon serviteur. » C'est Dieu qui parle. Abraham, mon serviteur. Son fils Isaac. Son fils Isaac, il faut lui trouver une femme, il faut le marier, et bien le marier. Comment savoir qui sera l'épouse d'Abraham? Et voici que le messager divin dit, « La jeune fille à qui je dirai, incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra, « Bois, je vais aussi abreuver tes chameaux. » Que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Le père serviteur, le fils serviteur, et le fils du fils, Isaac, Jacob. Souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, Jacob. Tous nos grands aînés dans la foi reçoivent ce titre et accomplissent cette mission d'être des serviteurs. Ce n'est pas une simple façon de parler. Cela révèle quelque chose de profond de la relation à Dieu quand Dieu choisit, quand Dieu appelle, quand Dieu envoie. Bien plus tard, passons Moïse, mais on dira aussi de lui qu'il est serviteur, Josué. Après ces événements, Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Josué, vous savez, c'est celui qui a succédé à Moïse et qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. David, c'est encore plus tard, tu diras, dit Dieu, à mon serviteur David. Qu'est-ce que tu lui diras à David? Eh bien, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. On pourrait prendre à l'infini toute une série de serviteurs. Et Dieu va parler, quelquefois de façon globale, « Je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. » Mais ils n'ont pas écouté et ils ont servi d'autres dieux. Ils se sont détournés de moi. La notion de serviteur est capitale dans l'histoire du salut, tel que le Seigneur la désire et surtout tel qu'il veut y associer un certain nombre de personnes, tout un peuple même qu'il choisit et qu'il appelle. Tous reçoivent non pas simplement le titre, mais sont appelés à être des serviteurs. Permettez-moi de m'arrêter avec vous un instant sur ce qu'est un serviteur. Dans la tradition biblique, le serviteur, ce n'est pas simplement un employé qui fait ses 35 heures et qui touche son salaire à la fin du mois et qui réclame de temps en temps des RTT. Cela, c'est bien sûr, de façon tout à fait légitime et honorable, notre pratique. Le serviteur, c'est celui qui reste aujourd'hui un peu étranger lorsqu'il a rempli les obligations de son contrat de travail. L'employeur n'a plus rien à exiger de celui qu'il a employé.
il y a une distance et surtout un respect d'une vie personnelle qui peut être tout à fait étrangère à la relation employeur-employé. C'est un peu comme ça qu'on peut imaginer la notion de serviteur, qu'on n'emploie plus beaucoup dans notre langage moderne. Mais je vous ai cité à dessein des personnages tels qu'Abraham, Isaac, Jacob. Rappelez-vous, ce sont des nomades. Ils vivent dans des campements qui se déplacent, et qui se déplacent avec armes et bagages, et qui se déplacent avec tout ce petit monde, plus ou moins large, qui constitue une famille. Le serviteur, quand on se déplace dans le désert, ne peut pas venir travailler, prendre l'autobus ou le tramway, puis venir de temps en temps et repartir chez lui. Non, non. Le serviteur, il fait partie. Il a sa place. Il est dans le cercle de la famille. Même s'il est serviteur, et on vit ensemble, sous le même toit, avec une hiérarchie certainement, mais ensemble. Et le serviteur, vous le devinez bien, qui n'a pas la couverture sociale, qui n'a pas la pension vieillesse, le serviteur a tout intérêt pour sa propre vie, que les affaires de son maître prospèrent et soient bien gérées. Le serviteur, c'est bien plus qu'un salarié, qu'un employé. C'est celui qui est associé à l'aventure de toute la famille et qui, en rendant service, en étant serviteur, eh bien, tire aussi son propre bénéfice, et plus qu'un bénéfice, sa manière de vivre, sa subsistance, son identité. Et le serviteur ou la servante peut occuper un rôle qu'on n'imaginerait pas. Vous vous souvenez, puisque j'évoquais Abraham, qu'Abraham, malheureusement, n'avait pas d'enfant. Et c'était dramatique. Il n'avait pas d'enfant. Son épouse ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est la servante qui va donner un fils à Abraham. Ne pensez pas qu'Abraham se soit livré à l'adultère ou au vagabondage sexuel. Non. Il était tout à fait admis dans le petit monde de l'époque que la servante pouvait jouer ce rôle, et vous devinez bien que c'est un rôle qui est d'une autre nature que de simplement rendre service. Mais la servante jouait dans ce cas un rôle essentiel pour garantir la descendance. Même si, on le sait dans les pages bibliques, les relations ensuite entre Agar, cette servante, avec Sarah, la femme d'Abraham, ne furent pas faciles, jusqu'au moment où Abraham a eu, par la faveur divine aussi, eh bien, la joie d'être maman. Serviteur, servante, c'est une place unique. Et vous vous souvenez que Jésus va utiliser cette image et ce rôle du serviteur dans ses paraboles. Les serviteurs qui reçoivent la mission, par exemple, de gérer les biens du maître quand il n'est pas là. Quand Marie déclare, atteste, reconnaît qu'elle est la servante du Seigneur, encore une fois, ce n'est pas une simple employée, mais c'est dans ses limites, dans son rôle, dans son statut, entrer en relation avec Dieu et travailler humblement à la réalisation du projet de Dieu, même si dans le cas de Marie, cette collaboration
est tout à fait extraordinaire. Être des serviteurs. Être à la manière de Marie, disciple, en étant servante, en étant serviteur, à notre place, humblement, simplement, mais en répondant à un appel utile, nécessaire, fécond, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, quoi d'étonnant au fait que Jésus va lui aussi se présenter comme étant le serviteur. Vous connaissez bien l'évangile selon saint Marc. Tous les évangiles sont passionnants et sont beaux à accueillir puisqu'ils sont la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous. Quand vous lisez les premières pages de l'évangile selon saint Marc, vous rencontrez Jésus qui remporte, pardonnez-moi l'expression, un succès fou. On lui court après, sans arrêt, pour qu'il guérisse, pour qu'il libère des esprits mauvais, pour qu'il rende confiance, courage. Et ça marche de façon extraordinaire, au point que Jésus doit quelquefois essayer de se sauver, de se cacher, pour aller prier seul dans la montagne. Vous verrez, reprenez ça, les toutes premières pages de l'Évangile selon saint Marc. On aimerait tant que toutes nos entreprises pastorales aient la même fécondité. Pour Jésus, ce pourrait être une aubaine. Jésus pourrait tirer grand profit personnel de ce succès. Et ce qui est étonnant dans tous les évangiles, mais particulièrement dans l'évangile selon saint Marc, que Jésus se dérobe à tout ce qui pourrait être une glorification personnelle. Non seulement par les gestes, mais Jésus pourrait de multiples fois clouer le bec à ses contradicteurs en leur imposant ce qu'il a fait et en ayant le témoignage de ceux et de celles qui en ont été bénéficiaires. Jésus peut vraiment devenir la star du moment. Et de façon étonnante, Jésus va toujours fuir cette notoriété en disant souvent à ceux qui ont bénéficié d'une guérison, d'une délivrance, ne le dites à personne. Ce que bien sûr, en général, ceux qui ont bénéficié des faveurs de Jésus s'empressent de ne pas faire. Ils le crient, ils le répètent. Jésus ne veut pas entrer dans ce jeu profondément humain, même si ce qu'il accomplit, il le fait dans la lumière de l'amour de son Père. Jésus ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre le temps avec ses disciples de se révéler sous son identité profonde. Et quelle est cette identité profonde? Jésus la révèle lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et vous savez qu'il y aura, dans l'évangile selon saint Marc, un clash entre Jésus et Pierre, lorsque Jésus dit à ses apôtres qu'ils s'en vont avec lui à Jérusalem, où il va être livré aux mains de ceux qui lui veulent du mal, qu'il va être condamné, mis à mort, et qu'il va ressusciter le troisième jour. Et Pierre s'insurge
comme pourraient s'insurger tous ceux qui ont reçu les bienfaits de Jésus. Ça ne se fera pas. Et vous connaissez la réponse de Jésus à Pierre qui, juste avant, vient de lui dire, mais tu es le Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, oh bravo Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Très belle profession de foi de Pierre. Et juste après, il se fait traiter de Satan. Passe derrière moi, ça peut vouloir dire, comme dans nos premiers mouvements de colère à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants, disparaît, je veux plus te voir. Ça peut être ça. Mais c'est plus profond dans l'Évangile. Passe derrière moi, ça veut dire, tu vas me suivre. Tu vas me suivre et tu viendras avec moi à Jérusalem. Et toi aussi, un jour, tu passeras par la mort, tu passeras par la résurrection. Difficile pour Jésus de révéler son identité profonde de serviteur. Et vous savez qu'il y aura encore un clash entre Jésus et Pierre au moment du lavement des pieds. Lavement des pieds qui est le geste de l'esclave qui lave les pieds, qui passe à l'eau les pieds des personnes qui ont marché sur des routes poussiéreuses. Et Jésus qui fait ce geste de l'esclave. Et Pierre qui s'insurge. Non, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus qui répond, si, je te laverai les pieds. Et vous, mes apôtres, vous ferez comme j'ai fait. Vous vous laverez les pieds les uns aux autres. Vous serez des serviteurs. Le disciple est un serviteur. Il se fait que, de façon heureuse, à Valenciennes, la neuvaine en l'honneur du Notre-Dame de Saint-Cordon se situe au début d'une nouvelle année pastorale. On ne met jamais le Seigneur en vacances, bien sûr, mais les fidèles du Seigneur vivent au rythme du calendrier. Et vous savez qu'en France, il y a toujours une rupture importante pendant les mois d'été, et qu'on se remet en route, même pour les activités pastorales, à la rentrée. Sans doute que vous répondrez aux appels mutuels que vous adressez les uns les autres, que vos pasteurs vous adressent, que l'équipe d'animation de la paroisse va susciter, vous allez tous et toutes vous engager, selon vos possibilités, selon vos capacités, selon les besoins, vous allez vous mettre en route. Des responsabilités qui peuvent sembler lourdes pour certains, tous ne sont pas prêts, par exemple, à animer des groupes de catéchèse, mais on peut faire des choses simples, humbles et modestes, veiller à l'entretien de l'Église, la fleurir. Tous et toutes, nous pouvons être disciples de Jésus. On l'a été déjà, mais plus encore à partir de cette rentrée. Gardons en tête, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante. Même pour une collaboration énorme qui consiste à accepter d'être la mère du Fils de Dieu, Marie ne peut le faire que si elle est servante. Nos communautés chrétiennes, même dans ces temps difficiles, ont besoin de personnes qui ont des responsabilités, mais elles ont essentiellement besoin de serviteurs et de servantes qui ne sont pas les propriétaires d'une activité, les propriétaires d'un lieu, les propriétaires de personnes, ce qui est pire encore, mais d'authentiques serviteurs, servantes du Seigneur. Quel que soit notre niveau de responsabilité,
tous, nous devons apprendre à toujours redire, eh bien, humblement, modestement, je suis serviteur, je suis servante du Seigneur, à l'exemple de Jésus. Jésus n'a jamais accordé une importance extraordinaire à tous les signes qu'il a donnés, aux miracles qu'il a accomplis, pour dire les choses autrement, qui sont utiles et précieux pour nous, les êtres humains. Jésus a donné toute la place à son attitude de serviteur, même s'il a fallu beaucoup de temps pour ses auditeurs et pour ses apôtres eux-mêmes pour comprendre ce que cela signifiait pour Jésus. Faire jaillir, manifester son amour, non pas simplement par des gestes aussi beaux, aussi généreux, aussi extraordinaires qu'ils aient pu être, mais en se faisant vraiment le serviteur et la servante. Laisser entrer le désir de Dieu, comme le serviteur de l'Ancien Testament faisait entrer le désir de son maître dans sa propre volonté, pour le bien du maître, bien sûr, mais pour le bien de tous ceux qui vivaient avec lui et autour de lui. Lorsque les prêtres, les diacres, les évêques sont ordonnés, des questions leur sont posées sur, non pas un engagement qu'ils vont prendre, mais sur une volonté qu'ils vont nourrir de la volonté même de Dieu. On ne dit pas à un évêque ou un prêtre ou un diacre, est-ce que tu acceptes de, est-ce que tu t'engages à? Non, on lui demande, veux-tu? Veux-tu, c'est-à-dire, est-ce que tu t'engages totalement dans toute ta personne pour vivre ce qui t'est demandé, même si ce qui t'est demandé te dépasse et sera en toi l'œuvre de l'Esprit-Saint. Demandons-nous, demandez-vous, au moment de cette rentrée, si vous êtes prêt à répondre, Seigneur, non pas Seigneur, j'accepte, non pas ben, je te dis oui, je te fais une concession. Non, Seigneur, puisque tu me demandes si je veux que ta volonté s'accomplisse en moi, comme dit Marie à l'ange. Oui, Seigneur, je veux, et ce je veux est celui non pas de celui qui commande en maître, mais de celui et de celle qui assume le service que le Seigneur demande.